Allez, salut tout le monde, c'est Desi. Aujourd'hui, bien, on se retrouve pour une vidéo sur un jeu. Donc, une présentation, encore et toujours. Donc, pour les vacances, comme je vous l'ai déjà annoncé, ça allait être un petit peu olé olé au niveau du temps, la façon dont j'allais tourner les choses. Et voilà, donc, encore une fois, ça va être un petit peu bizarre, je dirais. Mais en fait, on va se retrouver sur un jeu qui s'appelle Crackdown, tout simplement, qui était gratuit, qui est encore gratuit d'ailleurs. Non, c'est pas là-dedans. Donc gratuit et encore une fois avec le Game with Golds. Donc ici, hop voilà. Allez hop, c'est parti. Je le découvre en même temps que vous. Crackdown, d'ailleurs c'est une série que je ne connais absolument pas. C'est ça qui m'étonne en fait le plus. Pas qui m'étonne non, parce que voilà, c'est mon choix si je n'ai pas. Par contre, est-ce que c'est fort? C'est quand même assez fort. On va mettre un petit peu à 15, 14. Ça devrait suffire largement. Donc voilà, donc pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos de ma part. Mais en même temps, ça c'est un petit peu dû à, je sais pas, vu que j'ai été en vacances là une semaine, ça, voilà, ça. Disons que des fois, on n'a pas forcément le temps, surtout quand on est en vacances, on prend pas sa Xbox et tout ça. Non, non, sans déconner, non, c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps. Mais en fait, mon problème, moi, c'est que je fais toujours qu'une seule vidéo quand j'ai le temps, qu'une seule vidéo. Alors qu'en fait, après, il me reste à peu près 3 heures, quoi. Ce qui voudrait dire que je peux faire au moins 3 à 4 vidéos, quoi, donc c'est complètement con. Appuie sur Start pour jouer. Alors, se connecter, connexion au profil du joueur. D'ailleurs, ce que je peux constater, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour. Alors, peut-être que la mise à jour se fait en même temps que le téléchargement du jeu. C'est possible. Bon, j'espère que ça va pas durer 1000 ans non plus, cette connexion. Hein. Oula. Oui. Enregistrement en cours, n'éteignez pas votre console. Ce n'est pas mon intention. Campagne, partie chrono, course de rue, clé de la ville, téléchargement. Qu'est-ce que c'est que ça, clé de la ville là? Jouer avec les cheats, mais sans possibilité de sauvegarder la progression. Oh, mais non, ça m'intéresse pas. Succès ou non, option. Alors, ouais, peut-être on va voir un petit peu les paramètres d'affichage. Ça serait peut-être pas mal. Contraste élevé. Oh, qu'est-ce que. Ah, d'accord. Bon, contraste standard. Hein, on va pas se faire chier avec des détails. Donc on y va. Allez hop, campagne. Je découvre en même temps. Ah, attention. Ah, parce qu'on putain, on peut faire de la coop. Eh. Coriace. Féroce dément. Bon, déjà, le mot coriace, déjà, ça me fait un peu peur. Alors, voilà quoi. On va prendre quoi? Pas féroce? Non, bah non, 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 non. Bon, allez, je vais prendre féroce. On va mettre jouer maintenant en solo. Qui peut rejoindre ma partie en cours? Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, j'ai dit que je jouais en solo là. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce délire? Hein, encore. Joueur invité seulement, voilà. Putain, mais c'est un truc de fou, quoi. Putain, j'ai pas choisi le. Ah merde! Ah merde! J'ai pas choisi le visage. Bon, tant pis. De toute façon, je me le referai, voilà. Ça, vous êtes au parfum. Je me referai le début. Ouais, enfin, je connais pas trop le jeu, hein, donc je peux rien vous dire là-dessus. En fait, là, je prends carrément en cours de route. Je vous laisse apprécier la cinématique. Le monde s'est transformé en un océan de merde. Et chaque jour, on s'y enfonce un peu plus. L'anarchie gagnant du terrain, les polices du monde durent se résoudre à fusionner pour créer l'agence. Mais cela n'a pas suffi. Trois factions rivales se partagent désormais le contrôle de notre capitale, Pacific City. L'agence est retranchée dans un complexe de haute sécurité nommé la Forteresse. L'accès est contrôlé et les bâtiments gardés, péniblement, par les pacificateurs. Il faut réagir ou bien disparaître. L'agence a recyclé les travaux d'un scientifique controversé, le docteur Balthazar Chernenko. Son programme de création eugénique a produit de nouvelles recrues pour l'agence. Les agents, des instruments de justice dotés de pouvoir et de capacités de régénération inégalées. L'agence se prépare à enfin envoyer son premier agent dans les rues. La guerre est déclarée, une guerre contre le crime. Bienvenue dans l'agence, agent. Je suis votre principal officier de liaison. Pour faire court, je suis votre meilleur ami, enfin le seul. Je vous guiderai et vous tiendrai informé des dernières mises à jour tactiques indispensables à l'élimination des trois gangs qui règnent sur la ville. Votre objectif premier est d'abattre les trois chefs de gang, Don Domingo El Brazo Garcia, le charismatique chef des Los Muertos,
Vladimir Goliath dit le loup, le chef des Volks, et l'énigmatique Wang, patron de la Shaijen. Nos services suggèrent de commencer par localiser et éliminer les lieutenants de chacun des chefs de gang pour affaiblir leur défense. Il est temps pour vous de vous frotter au terrain, agent. Des véhicules révolutionnaires sont à votre disposition à la base, la forteresse. Ok. Ah, par contre, les graphismes, il me semble que c'est en cel shading, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors, ok. Voilà, bon. Le garage de l'agence. Ça a l'air assez maniable. Sur l'aire d'identification violette pour y pénétrer et choisissez votre véhicule. Empruntez les tunnels au-delà des portes blindées pour accéder au quartier de la ville. D'accord. Est-ce qu'on peut courir? Ouais. Ah, je crois. Hein. Ah non, non, non. Et, attendez, comment on fait pour sprinter? Je peux pas rentrer dans le véhicule là? Si, si. Bon, il m'a dit d'aller sur le truc violet, donc c'est ce qu'on va faire. Écoutez. Alors, vas-y. Non. Non, non, non. Truc violet. Oh, oh, oh. C'est où? Bon, là, ici. C'est dans le garage de l'agence. Agence standard. D'accord. Rouge, vert, bleu, violet, noir. Moi, je préfère la couleur noire. J'aime le noir. Pour manœuvrer sous les obstacles, survoler les obstacles, pour enfoncer tous les obstacles. On va prendre celui-là. D'accord. Et c'est qui ça? Des coéquipiers peut-être. Alors attendez, que je connaisse, enfin que je me situe un petit peu au niveau des touches là, parce que alors déjà on peut pas viser, en précision déjà. Bon, allez, c'est parti. Pour ramasser, attendez, je vais. Au-delà de ces portes blindées, le quartier est contrôlé par les Los Muertos. Des infos tactiques sont en cours de transfert sur votre interface. Le gang des Los Muertos s'est rapidement passé du statut de petit dealer à celui de grand groupe de narcotrafiquants qui règne sur les deux îles de la Mougrée, connue sous le nom de la Fange, un quartier de l'est de Pacific City. Le nom du gang, les Morts, avait été choisi pour effrayer les inconscients qui auraient tenté de leur barrer la route. Maintenant, leur nom est associé aux cadavres qui jonchent les rues, victimes de leur trafic ignoble. Les membres des Los Muertos sont des combattants remarquables, dont la force n'a d'égal que la brutalité. Ils ont plus qu'un penchant pour les voitures. Ils les volent, les transforment complètement et s'en servent pour accomplir leurs divers méfaits. Gardez bien en tête, agent, qu'en cas de besoin, les toits de l'île sud de la Mougrée représentent une bonne position de repli. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas bien qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'instant. Oh, les graphismes, c'est un style, c'est un style. On adhère ou on adhère pas. Moi, en tout cas, j'adhère, ça va. J'aime assez. Alors, je sais pas si c'est un GTA-like. Je, il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Putain, la vache. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Oh putain! Alors. Alors, j'ai un peu de mal avec la. Avec la manipulation là. Sympa le petit kilométrage en bas là. Enfin, si on n'est pas en infraction du code de la route. De toute façon, je pense que là. Putain, là, je me fais déjà tirer dessus alors que ça vient juste de commencer le jeu. Putain, c'est complètement. Ah putain, c'est un coup à prendre, je crois. Hein. Putain, mais c'est quoi ce truc là? C'est très spécial pour l'instant. Hein. Shading. Mais si, viens ici là. Oula. Rapportez cette arme jusqu'à un point de ravitaillement, agent. Elle sera ajoutée à l'arsenal de l'agence et mise à votre disposition depuis n'importe quel point de ravitaillement. Voilà. Ok. Hop, on balance. Ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est un peu space hein, quand même, hein. Putain. Non, on va prendre la mitraillette. Il y a quoi là? Par là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est sûrement en haut qu'il faut que je monte.
Je suis désolé, hein, je sais pas vraiment jouer pour l'instant. Putain la vache, qu'est-ce que c'est que ça? Mais l'enfoiré! Ah bon? Ah mais voilà, d'accord. Ah ok. On fait comment pour changer de cible? Bon j'arrête là, ça m'énerve. Donc c'est le point de ravitaillement là, j'ai pas bien compris le système là. Excusez-moi, je joue vraiment comme une daube là. Putain, mais vas-y, vas-y. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Cap sur le point de rave. Équipement entreposé au point de ravitaillement. Mitraillette Injal. Ok. Non mais c'est bon, j'en ai rien à foutre. Hein. Sécuriser un point de ravitaillement de l'agence. Je suis en train de ramasser des trucs, je sais même pas ce que c'est. Librement circuler entre ce point de ravitaillement et celui de la forteresse. Reprenez d'autres de ces... Écoutez, après je sais pas, c'est peut-être à quoi prendre, mais là je comprends pas trop ce qu'il faut que je fasse là. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre logiciel d'interface est mis à jour, agent. Arrête de parler, je comprends rien, putain, mais pourquoi est-ce qu'il vise la bagnole? Ah, c'est mal foutu, hein. Ah là, c'est bien ce que je me disais, il est contre nous, lui. Ah d'accord, on peut carrément faire du cac. Ah ça c'est pas mal ça. Ah qu'est-ce qui s'est passé là? A été mis à jour, agent. Un marqueur caractéristique vous guidera jusqu'à cette figure clé du gang. Ok d'accord. Mon 4x4 est là. Ok d'accord. Bon écoutez, pour l'instant je trouve ça basique. Ça vole pas plus haut qu'un nid de coucou. Je peux pas changer la... Ah voilà. Yes for an answer. Which I is. Et rien que je connais là. Bon. Non, je connais pas grand chose. Hein. Bon. Ah, faut que j'aille où là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, bordel? Ah d'accord, oui non, je vois le point. Le point qui clignote. Je suis bête ou quoi? Allez, vas-y, putain de bagnole. Quoi, bien joué agent, j'ai fait quoi encore? Ça me fait vachement, je dirais pas que ça fait penser exactement, mais ça me fait un peu penser à Saints Row quand même. Hein. Niveau du paysage surtout. Après le reste, ça reste différent quand même. Alors comment je vais faire pour grimper à ton toit là? Il est gentil lui. Et sûrement par ici. Oh putain, je suis mort! Non! Putain, parce qu'on peut crever! Enfin, je veux dire, aussi rapidement quoi. Je me suis fait mais défoncer la bouillasse en 6 là. Une fin en elle-même. La réincarnation est possible grâce à nos techniques de clonage. Des corps sont toujours prêts à recevoir votre personnalité et vos relevés de performance. Ah, quand même. Ah ouais, quand même. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que cette espèce de savonnette là? Moi, je sais pas si c'est le genre de jeu qu'il fallait que je vous présente en vidéo ça. Moi ça me posait la question, putain. Oh là là, puis en plus je sais pas conduire, c'est encore... Qu'est-ce qu'elle a cette putain de bagnole? Ok, on va prendre ça. Prends-le. Prends la mitraillette, bordel. Il va pas prendre la mitraillette apparemment. Bon, alors on va déjà aller là. Putain, là j'en prends plein la gueule.
Pas mal, une petite décapotable. Putain, la vache. C'est quoi ça encore? Mission encore. Oh putain, vite, vite. Ouf. Putain, mais c'est pas où qu'il faut que j'aille, merde. Ah, ça y est, je vois. Oh putain. Vite. Ah, mon 4x4 il est encore là. Ça, c'est marrant ça. Ça, c'est marrant ça. Il faut sûrement passer par là. D'accord, on recharge avec X. Ça paraît logique. Crève, saloperie. Voilà. Putain. Ah, c'est pas facile à manier quand même. Hein. Ça demande un petit temps d'adaptation, je pense. Pour bien se faire au gameplay. Ouais. Prends ça, fumier. Putain, la vache. Ça va, en plus si on peut réapparaître, je trouve ça assez simple. Putain la vache. Ça explose encore. Il est où l'autre? Oh putain, je comprends rien. Tiens, mais tire sur quelqu'un d'autre. Putain, ça par contre, le système de visée, mon dieu. Oh, il me débecte un peu, hein. Pour vous dire la vérité. D'accord. Alors, est-ce que... Voilà, faut que je monte là-haut apparemment. Putain. Ce truc de psycho, là. Ah, non. On laisse tomber. Pourquoi il s'est soigné? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh non. Putain, je suis mort. Oh putain de merde. Surtout ne pas s'énerver. Ça fait juste deux fois que je crève. Hein. Ouais. Putain, il est pas superbe en fait. Hein. Enfin, c'est pas qu'il est pas superbe, mais c'est-à-dire que j'ai un peu de mal à jouer. C'est pas tellement mon style de jeu non plus. Faut dire ce qui est. Autant GTA ça passe, mais alors ça. Putain, mais vite, trouve une bagnole, merde. Puis en fait, chaque. Ah oh, putain, mais c'est de la merde en fait. Ah putain, par contre, ça intérêt à bien se conduire ça. Putain, y'a pas de frein à main. Non, y'a pas de frein à main. Oh putain. Ah c'est spécial hein, quand même. La conduite reste assez spéciale. Ouais, 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 ouais. Non, en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça sauvegarde. Ah, ça sauvegarde, voilà. Comment vous dire, ça sauvegarde notre progression dans la mission. Putain, par contre, ça va faire quand même deux fois que je suis mort. Hein. Ah putain, on a une armure. D'accord, ça je savais pas ça. On a une armure. Vite, vite, putain, vite. Quoi ces rires hein. Ah si c'est des rires parce que apparemment. Bon, je vais monter au sommet, on va bien voir ce qui se trouve au sommet. Hein. Ah attendez. Mais Rocky pas. Mais Rocky. Mais tire dessus! Mais tire dessus!
Pas sur lui! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, en plus il a de la vie. Hein. Oh! Ça va juste un peu me gonfler. Putain, mais vise pas. Putain, ça m'énerve. Vise-le, lui. Oh putain, c'est. Ça commence à partir en couille là. Putain, mais on peut pas esquiver ça. T'es en train de me faire exploser la bouillasse là. Mais putain, mais ça m'énerve. Putain, quoi, merde. Ah, et puis la vie qu'il a, cet enfoiré. Oh, ça va être encore une vidéo de merde. De brin, je le sens. C'est une mouche qui me tourne autour. Ça m'énerve, ça. Franchement, ça m'énerve. Péter un câble, quoi. Mais putain, mais non. Je voulais simplement rentrer dedans. Mais putain, mais c'est pas possible, ça. Et voilà, ça va encore... Bon, laisse tomber, de toute façon, ça m'énerve. Là, là, j'ai une occasion de la buter. Je l'ai eu. Normalement. Enfin, je crois. Non, je l'ai pas eu. Ok, super. Parce que j'ai la tête à moucher et tout. Hein. Ah oui, les DCI, il a pris les précautions. Hein. Mais pourquoi est-ce que je peux pas tourner correctement? Putain, c'est comme si les pneus, ils étaient... Regardez. C'est quoi ce... C'est quoi ce, ce virage, regardez. C'est quoi c'est... Maniabilité de merde. Oh, je sens que c'est le genre de jeu où je vais pas trop m'attarder. Hein. Excusez-moi, hein, mais c'est pas trop mon style de jeu là. Hein. Limite bourrage de crâne. Limite, ça va me tuer, ça me rendre fou, malade. Il va crever lui, il va crever. Il est où lui? Il est où? Il est là. Putain, tue-le! Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Putain, mais allez, vas-y là. Ouh! Putain, ça les a énervés. Oh. Voilà. Voilà. Nickel. Tue-le, tue-le, tue-le! Ah, pilote, il récupère sa vie! Oh, mais putain, mais j'ai. Oh putain, non, 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 non! Barre-toi, barre-toi, barre-toi! Brûle, baby, brûle! Putain, je suis censé dire quoi là? Merde, je suis censé dire quoi là? D'accord. Allez, on va se calmer. Faut essayer de jouer correctement. Faut essayer de jouer correctement. Alors, déjà, il y a eu une petite gestion du jour et de la nuit. Si je ne me trompe pas. Putain, mais rentre dans la bagnole. Celle-là, celle-là, celle-là. Oh non, tu me la donnes. Tu me la donnes. Dégage, ta race de là. Ah, ça a le don de m'énerver là. Ça y est, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'on tourne bien avec ces véhicules, c'est vrai. Hein. D'accord. Bon. Je vois pas de commentaires sur ce qu'on vient de voir. Oh là 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 là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est-à-dire qu'en fait que le jeu n'est pas tellement moche en fait, c'est ça le problème. C'est assez étrange. Hein. Dire c'est même ça a même été bien que GTA 3 soit de cette qualité. Mais bon, le self-shading c'est pas donné à tout le monde hein. Et il veut quoi lui là-haut? Crève crève salaud, crève salaud.
On va prendre son fusil à pompe. Quand vous entreposez des armes dans un point de ravitaillement, vous pouvez en disposer depuis n'importe lequel de ces relais. Ok. Putain. Putain, pas mal. Après, je récupère des munitions. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ah non ! C'est pas ça que je voulais, moi. Mais non ! Mais pourquoi est-ce qu'il échange ? Oh là 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 là, c'est bordélique. C'est bordélique à souhait, hein. Mais putain, mais arrête de viser lui ! Mais c'est relou, ça ! Ah non, c'est lock automatique ! Attendez, 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 il y a un problème. Il y a un problème. Manette. Visée standard. Non mais attends, attends, il y a un truc qui va pas là, merde. On peut même pas changer. Moi, ouais, alors franchement, les gars, on va y passer la nuit. Putain, mais on va y passer la nuit. On va le tuer, on va le tuer comme ça. On va le tuer comme ça, hein. Moi je vous le dis. Hein. Cac, cac, cac. Voilà. Premier sang. Ah bah super. Maintenant que Martinez est mort, le gang de Los Muertos va se trouver à court d'argent et d'informations. Les cogneurs n'ont ni l'intelligence ni l'expérience pour prendre sa place. Les membres de Los Muertos deviendront des cibles faciles. D'accord. Ok. Excellent travail, agent. Oh putain, vache. Au peigne fin et débusquer les autres membres clés du gang. Vous avez carte blanche. Je vous tiendrai informé des dernières mises à jour tactiques glanées par les pacificateurs. Mais ne vous en remettez pas à eux. C'est à vous de quadriller la ville pour localiser les positions. Ah putain, on peut changer d'arme, d'accord. Ok, je commence à comprendre le gameplay là. Lorsque vous approchez d'une zone dominée par un membre clé d'un gang, les données tactiques pertinentes seront automatiquement téléchargées sur votre interface et un marqueur distinctif placé sur votre ATH. Ok, d'accord. Bon, je crois qu'on va garder ce perso là, écoutez. Sur votre ATH et signale la proximité d'un point de ravitaillement sous contrôle ennemi. Bon, apparemment on est directement lancé comme ça dans le jeu, c'est assez déroutant en fin de compte. Putain, comment je vais faire là? Ben, je peux pas y aller là. Ah merde, merde, merde. Voilà. Ok, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà, c'est bon. Vous approchez d'un point de ravitaillement de l'agence. Localisez-le et éliminez les membres de gang qui le protègent. Ouais, ok. Comment je vais faire ça, moi? On va essayer de sauter là. Ici. Voilà. Je commence à avoir le gameplay en main. Ouais, enfin, je dis ça. C'est vite dit, hein. J'ai les bases au moins. Alors attention, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? On va trouver au point d'invitaillement. Ok, d'accord. Ok. Un autre point de ravitaillement, donc plus d'espace où entreposer les armes des gangs. Ok. Ok. Ouais. Faut que j'aille où là? Carte, voilà, carte. Intéressant. Ok, alors attends, parce que là, moi pas trop comprendre, hein. J'ai des courbatures au bras en plus, c'est bon, je suis fatigué là. Putain. Donc, on va essayer de retrouver un autre.
Et après, bah, on s'arrêtera là parce que de toute façon, je pense que c'est le genre de jeu, ça se fait en continu. Plus il y a des petites missions annexes par-ci par-là. C'est pas le genre de jeu qu'on, voilà, où il y a une histoire vraiment fixe. Pas tellement de cinématiques apparemment. Enfin, je sais pas trop. Je connais pas encore trop le jeu, hein. Je peux pas vraiment dire quoi que ce soit dessus. Mon avis, pour l'instant, il reste assez partagé. Ça peut être un bon jeu, je sais pas. Bon, la vue est Montrer sympathique à là. ces pacificateurs comment on s'y prend, agent. Ils sont où tes pacificateurs? Comme ça, on se balade un petit peu, tiens. Ça nous permet de voir un petit peu la ville. Non, bah apparemment, ça tire un peu partout. Ah, d'accord. Quand on appuie sur Select, on arrive directement sur la carte. Extraire. Et regagner le point de ravitaillement. D'accord. Ah oui. Ah, c'est très étrange tout ça. Moucha toucha. Ah, c'est pas par là. Il y aura un petit peu d'escalade, je pense. Je préviens, Un agent. chopé d'escalade, alors. Walker Commando apparaît sur votre ATH. Cela signifie que le gang local a envoyé la fine fleur de ses assassins à vos trousses. Quoi? J'ai pas suivi. Putain, super, j'ai encore failli crever. Ouh loulouloulouloulouloulou. Bon, il est rapide, apparemment. Vas-y là. Oh non, putain, j'étais bien en plus. Oh non! Putain! Oh ça va m'énerver, ça va m'énerver, ça va m'énerver! Putain, je suis censé faire comment pour monter là? Comme ça? Non, enfin bon, c'est pas terrible, hein. Entre nous, ah, on continue à monter apparemment. À l'heure actuelle, vous pouvez faire des sauts d'environ 10 pieds. Je suis curieux de voir jusqu'où vous pourrez sauter au sommet de votre forme. Putain. Bah je sais pas moi, putain. Ça tu verras en même temps que moi, je pense. Ah, putain, mais allez, vas-y! Oh là là, est-ce que c'est saoulant? On fait comment pour monter au sommet de ce bordel là? Comment je vais faire pour monter là? Oh putain, comment je vais faire? Ouais, je sais pas trop là. Hein. Je ne sais pas trop là. Pas trop rassuré. Autrefois, il y avait des champs à perte de vue. Ça c'était avant. Ça c'était avant, mon petit gars. On peut dire que vous êtes vernis. Oh non. C'est pas. Non, franchement, c'est vraiment pas le genre de jeu qu'il fallait que je fasse. Comme ça en vidéo. Ah ouais, non. Là, je crois que je commence à m'en rendre compte. Non, non, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible! C'est même naze! Ça a chier comme vidéo! Mais au moins, si ça vous plaît, écoutez, c'est le principal. Bon, ça m'étonnerait, mais bon. Je peux pas avoir d'hélico, moi, sérieusement. Ça, ce serait bien, ça. Ce serait pas mal, ça. Putain, mais ta gueule, quoi. Alors. Qu'est-ce que j'ai pu faire? On nous a signalé un regain d'activité dans la discothèque de Guérin, située sur la côte nord-est de l'île méridionale de la Moulin. Quelle discothèque? De quoi il me parle, lui?
qui est-ce qui me parle, lui? Il m'a parlé de discothèque, là. Vous entendez cette musique, agent? Sûrement une vitrine pour des activités criminelles. Allez-y et jouez les troubles faites. Nouvelle info tactique en cours de transfert sur votre interface, agent. Rosekera. Votre victoire est très loin d'être acquise, agent. Ah, faut gérer avec une bagnole, là, apparemment. Ah non, c'est bon. Ah oui, mais je fais comment pour la recharger, mon armure? On va pas comprendre, hein. Putain, la vache! Ah, mais ils nous en mettent trop aussi. Non, 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 il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, je suis désolé. Oh non, putain, putain, putain! Mais j'en ai ras-le-bol de crever. Putain, je fais que ça de crever. Je fais que ça. Oh putain. Putain, 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 putain. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Je suis où là? Super. Ben oui, bien sûr. Oh putain. Putain, plus j'ai chaud par l'énervement là, c'est... Ouh. Excusez-moi, c'est vraiment une vidéo de merde. Franchement, c'est une vidéo de merde. Je sais que je m'excuse beaucoup dans mes vidéos parce que c'est de la merde. Mais alors là, franchement... On a atteint un sommet dans la nullité, rarement vu auparavant. Hein. Je crois que là, c'est une vidéo plus que pourrie sur Crackdown. Hein. Putain, j'ai encore me faire des ennemis, moi. On va dire, ouais, Dessy n'aime pas Crackdown, pourtant c'est un jeu super, super fun. Mais écoutez, moi je trouve pas qu'il est fun. Et en tout cas, ça m'énerve beaucoup, hein, le fun qu'il apporte. Bizarrement, c'est pas compatible avec moi, hein. Non, mais d'accord, mais arrête de me parler, toi aussi, là. Laisse-moi faire. Putain, ouh, ça m'énerve aussi, ça. De quoi me mettre en rogne, là. Putain, c'est encore loin, putain, pourquoi j'ai pas pris une bagnole aussi, moi? Ouais, on saute pas où, alors apparemment, une fois qu'on est bien chaud... Vous ne mourrez jamais, mourrez jamais. C'est quoi ça? Guerra est à portée. Trouvez-le et remplissez votre mission. Et c'est quoi des orbes d'agilité là? D'accord. Ah, c'est rapide comme ça. C'est plus beaucoup plus rapide comme ça. Est-ce que je suis con, moi? Est-ce que je suis con? Me fait chier avec des détails. Regardez. Non, franchement, c'est beaucoup plus rapide. Attendez. Je dis ça, mais... Oh, putain. Putain, ils viennent à... Ils pop à l'infini ou quoi? Ils pop à l'infini ou quoi? Merde! Je suis encore en train de me faire niquer, mais... Putain de merde! Bah oui, voilà, venez, venez, ça sert absolument à rien. Mais vous avez vu ce qui s'est passé? Non, mais la rapidité à laquelle on se fait tuer, quoi, merde! Quoi s'énerver, hein? Il y a de quoi s'énerver. Voilà, bon, on a rechargé les armes. Voilà. Je suis content, je suis content, j'ai rechargé les armes, il est content. Putain, je suis où là? Comment on fait pour descendre? Apparemment. Non, ça appartient à l'agence. Ça c'est compliqué, hein. Je
Super, je suis bloqué par une poubelle. Merci. Ah oui, c'est vrai que les véhicules tentent super bien. Ah, voilà le frein à main. Ah bah dis donc, pour le trouver, je vous assure, ça a été la croix à la bannière. Hein. Ça va mieux là. Je conduis mieux. C'est vraiment une conduite à part. Hein. Ouais. Allez, on y va. Oh putain, il y en a encore plein. Putain, mais il pop à l'infini. Bon, on va essayer de se dépêcher parce que sinon, demain, on y est encore. C'est ça le plus triste dans tout ça. Il est là-bas, José. Eh, José. Voilà. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Il est où, lui? T'es où, José? J'arrive. Ah, il est en bas. Il est en dessous. Nya! 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 Putain de merde. Oh la vache, je t'en donne hein. Tu en veux hein. Mon petit enculé là. Putain, je t'ai pas raté là. Foiré va. Non. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est chiant. Je ne manipule pas le jeu. Je sais pas comment y jouer. C'est un truc de fou. Je connais pas encore trop le gameplay. Alors j'arrête pas de crever. Voilà. Ça ressemble à rien la vidéo. Ah, ressemble à rien cette putain de vidéo. Et j'en ai marre de répéter ça parce que c'est pas facile. Vous savez que c'est pas facile. Putain. Est-ce que je pourrais avoir un putain de véhicule là? Donne-moi ton putain de véhicule! Oh, mais c'est un truc de malade quoi! Non mais attends, t'as appuyé au moins 36 fois sur Y pour qu'il monte dans la bagnole. Et arrivé là, il monte pas dedans. Alors attends, c'est bon. Hein. C'est bon. Hein. Ouais, je sais, je m'énerve beaucoup, mais bon, en même temps, hein, là, il y a de quoi. Il y a de quoi. Non, c'est clair et net, il y a de quoi. C'est tout. Et tu te tais. Tu la fermes. Ah, je deviens fou. Je deviens ma boule. La bouboule. Allez, dégage. Dégage. Putain. Mais c'est un truc de malade. Et voilà, j'ai encore crevé, je le sens. Ah mais eux, c'est des putains de tireurs d'élite. Hein. Respect, my friend. I respect you. I'm in the big shit. Oh yes. Voilà. Putain, comment je fais pour monter, moi? Comment je fais pour monter, là? Voilà. En même temps, c'est marrant de voir un petit peu la... Putain, mais il pop à l'infini, ces enculés. Putain, je touche même pas. Ok, mais tu as crevé, oui. Ça va chier là. Hop là, je peux te dire que ça va chier. Oh putain. Ouais. Agent flambé, hein. Ah, je deviens fou là. Putain, je deviens fou. Fou. Malade mental. Putain, regardez, je vais crever. Préparez-vous des compléments d'agilité de l'agence signalés par une lueur verte sur votre ATH pour doper votre agilité. Une fois votre agilité suffisante, vous pourrez exécuter des bonds vertigineux. Je peux prendre ta bagnole? Merci. Prends la bagnole, vite.
avant que je m'énerve là. Merci bien. On dit c'est le garage d'Alliance pour la réquisitionner. J'ai quand même l'impression qu'on est beaucoup assisté quand même. Oh putain, je me suis trompé. Pourquoi je prends un tunnel souterrain? Alors les flics, ils savent même pas conduire. Moi je sais pas conduire. Les ennemis savent pas conduire. On va pas s'en sortir. Hein. Là c'est la dernière, le dernier coup. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une radio? C'est super moche hein, la radio qu'on a dans le... sur le cul là. La radio que j'ai au cul, elle est hyper hideuse. Très résistant, n'est-ce pas? Là j'aurais dû mettre en mode facile là, sérieux. Là j'arrive pas à jouer, j'arrive pas à jouer. Ouais, il faut peut-être sauter. Oh putain la vache! Putain mais tue-le. Putain mais c'est un truc de fou. Allez! Ouais, j'aurais dû mettre en facile. Franchement, j'aurais dû... Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va visiter un peu la map. On va se calmer. Voilà. On va visiter la map et on va se laisser là-dessus parce que là, je commence à en avoir ras-le-bol. Ras-le-bol de mourir! Voilà. Toup, toup. Est-ce que je peux avoir un véhicule? Oui, non. Donne-moi ça. Putain, j'aurais dû mettre en mode facile. J'arrive pas à jouer à ces jeux-là comme ça. Avec une difficulté comme ça, je peux pas. C'est comme Sans Row the Third, hein. J'ai essayé en normal, j'ai pas réussi. Vous êtes complètement assailli de coups de feu, là. Constamment. Ah putain, pas mal. Pas trop mal le ciel. Vous savez quoi? Moi je trouve qu'il est pas trop mal. Enfin, il est correct, on va dire. Alors attendez, est-ce qu'on peut... Oh, putain. Est-ce qu'on peut au moins monter sur cette espèce de... De montagne, là. Ah bah ils sont là, d'accord, ok. Salut, je sais pas conduire. Ne pas s'énerver, ne pas s'énerver. All right. Oh là là, là je joue bien là. Oh là 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 là. Ah, juste une petite effluve. Ah là, qu'est-ce que c'est bien fait. C'est super bien fait. Ah, faut admirer un petit peu hein, la physique. Ah, par contre, il parle beaucoup trop. Est-ce que le jour peut se lever histoire qu'on se quitte là-dessus parce que là, non, là franchement j'en peux plus déjà d'une part. Oh, ouais, ça va pas trop mal par là. Les gens ou les roues, d'accord. Oui, bah c'est classique. Ah, il a l'air d'avoir de jolis coins quand même. Est-ce qu'on peut nager, tiens? Ça c'est une bonne question. J'ai pas testé. Est-ce qu'on peut le faire? Ouais. Peut-on plonger? Ah, on peut pas plonger. Ah là là là. Bon, et bah écoutez. Hein. Et le meilleur moyen d'accéder à des secteurs bordés d'eau est lourdement gardé. Oui, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Mais franchement, en difficulté normale, je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça super hard quoi. Super hard. Alors je sais vraiment pas jouer, c'est peut-être ça aussi. Mais ah non, franchement j'adhère pas du tout là. Quand vous crevez comme ça trop d'affilée, là moi j'aime pas, ça me débecte. C'est assez étrange cet endroit là. Une espèce de promenade là. Ah, petit bug de texture à certains moments sur le... Quand on tourne trop vite. Mais c'est vrai que ça fait vachement penser à Steelport hein, quand même. Regardez.
Ça fait pas trop penser à Steel Port. Les Un marqueurs peu sont quand de même. différentes couleurs pour une meilleure visualisation. Gris, ils sont en patrouille. Jaune, ils vous cherchent. Et rouge, ils attaquent. D'accord, ouais. Pourquoi pas. Ta-ta-ta-ta. Pas de marque dans le sable. Pas de physique avec l'eau. Moi. J'ai vu Souvenez-vous quand des même qu'il y jours où avait. étoffez votre force physique. Éliminez vos ennemis en combat rapproché ou à l'aide d'armes de jet. Oui, comme ça, oui, je sais, je suis pas con. Je suis pas con, oui. Ouais, bah oui. Alors, on va essayer d'accéder là-bas, là. Sans trop de soucis. Putain, vache. Bon, est-ce que je vais réussir au moins à le tuer, ce putain d'enculé, là? J'étais pas loin, tout à l'heure. Hein. J'étais pas loin. C'est ça, le pire. C'est ça qui me rend fou. Complètement dingue. C'est que j'étais pas loin de le tuer. Mais quand vous avez au moins 10 ennemis sur vous, là, constamment vous tirez dessus, il n'y a pas de système de couverture, pas de, un lock complètement pourri, excusez-moi, mais c'est le cas. Bah voilà quoi, voilà. L'aura est proche. Le marqueur de votre ATH vous indique le chemin. Éliminer Gera. On va essayer. Alors j'ai vu qu'il y avait une espèce d'entrée là tout à l'heure, là, alors est-ce que je l'ai retrouvée? Moi, ce qui n'est pas sûr, hein. Ça c'est pas trop sûr. Hein. Ah, ici. Non, ici non. Je sais pas. Je sais pas, on va voir. Alors, voyons voir par ici, déjà. Ah là, ils sont énervés là. Ils savent même pas où je suis. D'accord. Putain, mais monte! Monte! Putain! Ah, je vais m'énerver, hein. Oh putain, je peux même pas accéder au plafond. Putain, mais je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Je vais bouffer la manette. Y a pas de système de couverture sur un jeu de maintenant. Je me prends des balles constamment. Il est où lui? Mais putain, mais il est où? On va se reposer ici. Voilà. Il est où, putain? Mais il est où ton gars là? Encore assez dingue ça, putain. Diego, la gora, gora. Ferme ta gueule un peu. Merci. Il est où lui? Oh là là, il va peut-être mourir. Ce serait bien. Ça y est, j'ai tué? Non, je l'ai pas tué. Écoutez, on va s'arrêter là. Là, je suis en train de péter un câble. J'en ai marre, j'ai pas envie de m'énerver pour un jeu, c'est complètement ridicule. Seulement, je le fais. Ah, putain. Bon bah voilà, écoutez, hein, c'était Crackdown, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bon allez, salut tout le monde, c'était DC1460, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, qui, je l'espère, sera beaucoup plus calme en émotion, hein. Allez, salut tout le monde, et à bientôt.